Salut à tous, c'est Eric Lagotier à la musique. J'aimerais vous montrer aujourd'hui une manière de faire sonner la pompe manouche. Je vous ai pris comme soutien la grille de Minor Swing. C'est le standard absolu du style, hein. Donc on va s'intéresser principalement à la main droite et à la main gauche. On verra qu'avec une seule position d'accord, on pourrait quasiment accompagner sur toute la grille. Donc normalement, ce style, effectivement, ça joue sur une guitare dite manouche, hein. Là, la mienne, elle est à la cave, elle est plus du tout en état. Donc je vais vous le montrer sur folk. La sonorité sera pas exactement celle qu'on attend, mais ça marchera quand même. Ce qui compte, c'est que ça joue et que vous preniez les bons réflexes. Voilà, avant de démarrer, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et une fois que vous aurez vu les explications, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires. Alors, la main droite, ou la main gauche, hein, si vous êtes gaucher, pour choper le modèle que je vous ai montré au début, qui irait très bien sur les morceaux qui sont un petit peu rapides, parce que oui, la pompe va prendre des formes différentes en fonction de la vitesse des morceaux, et bien on va essayer de reproduire un shabada. Je ne sais pas si vous connaissez le shabada. Non, c'est pas ce shabada-là. Non, c'est plutôt un shabada de batteur qui va donner ça. Je vous invite très très chaleureusement à faire comme moi, vous bloquez les cordes ici, faut que ça fasse une percussion, si ça fait ça, c'est que vous appuyez trop. Hein. Donc, juste on bloque là-bas, et on va faire ces gestes-là. Au bas, bas, 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 au bas. Pour vous symboliser mieux le truc, je vous le dis avec le nom des rythmes, ça ferait croche noire, deux 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 croche noire. Et pour être encore plus précis, ça nous est utile dans l'étape juste après, on va le compter avec des chiffres. Ça donnerait et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Maintenant, pour que ça swing, on va appuyer plus fort sur le deuxième et le quatrième temps. Comme ça s'affiche ici. Genre et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3. En gros, quand je bouge la tête, c'est à cet endroit-là que je mets un accent. Comme ça, je rentre tout de suite dans le groove. Un truc important, ce qui concerne justement la main qui fait la rythmique. Il faut pas que vous jouiez un peu comme en folk avec le poignet, disons, rentré comme ça, vous voyez. Parce que sinon, c'est tout le bras qui va jouer. Ça va faire un son très très raide. Et puis vous n'allez pas avoir d'endurance, vous allez vous fatiguer tout de suite, ça va pas être joli. Bref, aucun intérêt. Vous sortez le poignet comme ça, ok? C'est vraiment cette articulation-là qui bouge. L'avant-bras, bah, il fait que dalle. Parce que quand ça va très très vite, on n'a pas le temps de faire des grands gestes comme ça au minimum. Il faut savoir se préserver. Donc réessayez la même chose avec ce poignet qui sort un petit peu comme ça. On le voit mieux, je pense, à cette caméra-là. Et ça va donner ça. Et 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, et 3, 4, et 1. Ok, donc ça vous fait tourner vraiment longtemps. Vous pouvez utiliser un métronome éventuellement pour bien vous placer. Quand vous pensez que ça commence à venir... Ouais, je crois que je tiens le truc, ouais, c'est cool. Eh ben, on peut voir un accord typique du style manouche, c'est le premier que j'ai appris. C'est un accord dit mineur 6. On va le faire ici en cinquième case avec le majeur. Ça va donc être un La mineur 6. J'appuie le majeur en cinquième case du gros mi, l'index en quatrième case de la corde de ré, et l'annulaire en cinquième case de la corde de sol. Si tout se passe bien, votre corde de la est bloquée, et les deux aigus aussi. Pour ce faire, si ce n'est pas le cas, et ben vous essayez d'aplatir vos doigts. Si vous l'attaquez comme ça, votre accord arrondi, il va y avoir des cordes... Bon, celui-là, coup de peau, il fonctionne, mais avec la pompe, ça va faire vraiment super dégueu d'avoir des cordes à vide. Donc, on aplatit la main, on met bien le pouce par-dessus, de cette façon les doigts en fait s'aplatissent d'eux-mêmes quoi. Et le geste à choper, c'est ça le truc, ça va donner ça si je l'isole. 1, 2 et 3, 4. Elle appuie et elle perd le poids des doigts tout de suite. 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Et il faut que cette main soit totalement indépendante de ce qui se passe là-bas. Donc au départ, vous bossez à la limite, juste ça. D'accord. C'est comme si vous brûliez. Dès que vous appuyez, vous dites, oh là, j'enlève le poids des doigts, c'est trop chaud. D'où peut-être le ton le quintet du Hot Club de France. Alors, on essaye de mettre les mains ensemble, pas vite. Donc la main gauche appuie uniquement sur les chiffres, c'est-à-dire sur le et 1, 2, et 3, 4 et 1. Ok, genre et 1, 2, et 3, 4 et 1. Je fais d'abord sans les accents. Moins vite, et 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, et 3, 4, et 1. Un truc important, quand vous faites vos retours, il faut vraiment, dans cette pompe-là en tous les cas, que le retour sonne en dead note. On veut pas... Ça, ça alourdit considérablement votre pompe. Très sec.
Ok, donc si on résume, le poignet sorti pour la main droite, un petit geste qui vient justement de là et non pas de l'avant-bras, et à la main gauche, c'est noir piqué finalement. 1, 2, 3, 4, jouer de manière constante. Ce qui est rigolo avec cet accord, je l'adore, c'est que si ça c'est un La mineur 6, si je décale ça en dixième case, le majeur en dixième case, j'obtiendrai un Ré mineur 6, et ça tombe bien dans Minor Swing, on le trouve, c'est le quatrième degré. Il n'y a que trois accords hein, dans Minor Swing. C'est le morceau peut-être le plus simple harmoniquement parlant du répertoire du jazz manouche. C'est pour ça que généralement tout le monde commence par ce morceau-là. Imaginons du coup que je fasse deux mesures en La mineur, deux mesures en Ré mineur. Et 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, et 3, 4. Et le dernier accord, ça va être le cinquième degré, on a un La mineur, on va jouer un accord de Mi septième. Donc Mi septième, ça peut être plein de formes. Hein. En partant de cette forme, on pourrait conserver juste le petit triangle, c'est-à-dire 7, 6, 7 des cordes de La Ré Sol, en se dépatouillant pour que les deux cordes aiguës soient bloquées également, ainsi que le gros Mi. Ça, si vous êtes seul à le jouer, je vous invite à le faire vraiment de cette façon. Si vous êtes avec un bassiste, le bassiste, lui, enfin le contrebassiste, va prendre certainement la fondamentale. Donc dans ce cas-là, vous avez le droit d'aller chercher la carte en dessous, soit le Si. Et au bonheur, ah, il se trouve que c'est également la forme de l'accord mineur 6 qu'on voyait depuis le début. Donc nos trois accords pour accompagner Minor Swing, ça pourrait être 5e case de La mineur 6, 10e case Ré mineur 6, et pour le Mi 7, bah Si du coup, on pourrait le faire comme ça. Dans le véritable morceau, le Ré mineur, on le fait encore ailleurs, on le fait sous cette forme-là. Mais dans l'idée, pour l'instant, ce qui compte, c'est la pompe, c'est pas forcément les positions d'accord qu'on trouve ici. Donc je vous affiche la grille de Minor Swing, et je fais tourner le truc, et vous essayez de jouer en même temps que moi. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, et 3. Ré mineur 6. Mi 7. Mineur, je reviens en Ré, je repars en La, Mi 7, La mineur, 1, 2, 3, 4. À la fin, je fais deux temps La mineur, deux temps Mi 7. Il y a des petites variantes qui existent sur cette grille. À la fin, moi, souvent, je la joue comme ça. À la fin de la grille, on a le droit de faire un Fa7 qui précède l'arrivée du Mi7. Donc si ça c'est Mi7, bah Fa7, c'est le même accord, une case à droite. Hein. Donc ça c'est trop bien. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez varier un peu vos sonorités, quand vous êtes sur l'accord de Mi7e, ou de Fa7e là en l'occurrence, bah, vous avez le droit de faire une basse Si ou une basse Mi. Comme en Fa, on peut faire une basse Fa ou une basse Do. Du coup, le La Mi 7, je vais d'abord faire la fondamentale. Vous avez entendu là? Ça, c'est vous qui choisissez l'ordre dans lequel vous voulez disposer les basses. Surtout si vous êtes seul. Si vous êtes accompagné d'un contrebassiste, il faut être un petit peu plus straight, histoire que ça ne déborde pas comme ça dans tous les sens. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que c'était clair, que ça vous apportera une nouvelle manière peut-être d'aborder cette fichue pompe, et que vous prendrez grand plaisir à découvrir ou redécouvrir le répertoire de Django Reinhardt et tous ses héritiers. Je vous souhaite plein de bonnes choses, amusez-vous bien, et je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. À très bientôt. Ciao.